tapons 3. Benjamin, tu veux bien me rejoindre? Benjamin Pépin, All-Star, vainqueur d'édition 2014. Et je peux vous dire là aussi, mon égo n'a pas touché la terre, il ne marchait plus là, il courait. Elle a dit c'est un bouga petit île qu'elle est en finale. Il dit n'a pas le choix là, il faut gagner. On va mettre un petit peu la pression. Ben oui, bonne pression. Et il a fait ce que tout le monde attendait, en tout cas ce que tous les petites Iloises et les petits Ilois attendaient. Il a remporté cette édition. Et on a nous fait l'honneur d'être présent ce matin. On ne pouvait pas rester là sans te demander de nous chantonner quelques mots, faire plaisir. Parce que la musique adoucit les mœurs, la chanson il permet aussi de réconcilier les peuples. Donc c'est important qu'on puisse te laisser le micro ce matin pour pouvoir nous montrer une fois de plus les talents que tu as. Moi j'ai des talents cachés. Merci beaucoup monsieur le maire. Et encore une fois, tous vous remercier pour votre soutien qui a été énorme pendant toute cette aventure Rockstar. Alors là, en cadeau, si ça peut être un cadeau, vous avez un petit ôté grand-mère de Samy Sava. Par contre, on n'a pas de bande-son. Alors, pour m'encourager, pour faire la chanson, je voudrais taper des mains. Comme ça, voilà. On a. Tout bien. Allez. C'est pas chanter avec moi. Hein. Si grand-mère chante encore pour moi, tu peux parler. Raconte-moi ton misère dans le corps que tu n'avais pas pensé. Mais tu rappelles encore quand tu es arrivé dehors. Le cœur plus tu le traînes, ça fait le verre café. Tant tu dans la cour, comme un dans le dans ton même navire l'amour, dans ton zénavé l'amitié. Inversel si ton étoile, pour nous montrer l'habitation. Quand la pluie tombe si la tolle, lui fait mon sentiment. Comme silence la nuit, la plus apparaître son visage. Mais tout ça est comme un éclipse, là pour moi sur un paysage. Quand tu arrives tout dans le petit lit pour le mari bizarre, en compagnie d'un pâté créole, tout te raconte l'histoire. Mais une fois on a pleuré, parce que quand tu es de ta part, il rappelle encore tout ça là, mais ce soir-là, on t'en fait les tissus. Oh, tu t'y fais, tu l'avais dit, le plus arrête de pleurer. Je t'attire. Dans l'assemblée. Bah, bon, le Yakabossé. Tu vas lui être. Comme par hasard.
Allez, on va faire un petit Valoria quand même, c'est que je connais à peu près. Hein. Ramenez Marc Compagnon. Voilà, c'est ça. C'est la vie dont on fait un baril, c'est la vie où on a honte. Pareil, tu as des états des mains. C'est la vie où on a honte, c'est la vie où on a honte. La parole connaît toute histoire, ni que ça connaît. La joie où ça pas grand chose nous manque, les violons les adoucis, on les a pour connaître. On a information capitale. Alors, voilà, vous avez décidé de me soutenir pendant cette aventure Bastard. Je vous en remercie encore. Et moi, j'avais un cadeau à vous faire, un cadeau qui me tenait à cœur. C'est que pour ma première scène de l'après Bastard, avec mes propres compositions, mes propres chansons, j'ai décidé de la faire ici à Petite Île. J'ai décidé de que vous allez bien nombreux m'écouter, pas seulement chanter les chansons des autres, mais vous êtes parti chanter mes chansons, mes propres compos. Enfin, voilà, c'est un cadeau que je voulais vous faire. Merci Benjamin. Benjamin qui travaille aujourd'hui avec Monsieur Aubry qui est ici présent, mais il n'y a pas que Benjamin qui travaille avec Monsieur Aubry, il y a Sabat Pigeon. Je vais dire un petit mot, Michael, parce que ça aussi, c'est important. Comme ça va, Pigeon, ça va être pigeon. Coute, ça va être pigeon la tête. Ah, là, ouais, bon. L'artiste, c'est où? C'est pas moi. Michael, ça fait plaisir aussi de te recevoir. Et juste un petit morceau pour faire la bouche. Un morceau pour faire la bouche. Et pas comme Benjamin, il chante pas. Alors, il est pas... Non, c'est notre répertoire. Alors, ben, on a fait mon petit Gramoun préféré, mon petit Gramoun vivant, si tu t'y connais, mais si tu ne connais pas. Il manque un peu la petite piment, mais ça doit avoir un peu le... Bonjour à tous, moi j'ai Gramoun vivant, j'ai dit bien, y'a toi ou pas? Oui. Et l'autre est mon couteau, il bon, moins comme ça, et il bat la main pour son tir, oui, alors, et... Après là, tu n'as rien grand-mère, grand-père, la quoi, non? Et grand-père, la quoi? Et il gâte comme ça, là. Il n'a pas rien qu'il m'a loué. Il n'a pas là, que ça pas j'y. Il n'a pas aussi là. Comme ça, que ça. Venez ici là, ça clash métisse. Ça clash métisse. Hein. Mais sinon, là, c'est affaire que je suppose que tout le monde connaît. Bah, t'es connu plutôt par ce truc-là. Donc, est-ce que de retour pour le Donald hein. Ben, sinon, après ça, ben, écoute, je fais un peu d'humour local, un peu de choses. Divers et varié dans ce que je fais, donc il n'est pas évident de donner un échantillon de ce que je fais sur un impro comme ça. Mais il fait beaucoup d'absents aussi. Alors, pour faire un peu participer tout le monde, je vais choisir madame là. C'est moi un accent, juste un accent. Choisis un accent. Vous pouvez l'avoir.
Il faut rigoler tout le temps, c'est rigolade ça. C'est tout, bonjour les amis. C'est Amadou. Amadou comment? Amadou comme le miel, Amadou comme le sucre. C'est tout ça, il faut rigoler tout le temps. Pour la demoiselle, choisir un accent. Brésil. Je vous présente, je suis José da Silva. Je viens tout droit du Brésil. Je vous fais la fête. Samba, bachata, salsa, c'est la fête. C'est le bordel. Monsieur le maire, choisis un autre accent, un dernier pour la route. Un autre. Ah, on va rôder. Pour faire tout le monde, je vais faire un peu mes origines, ça fait un peu l'arabe. Salam alaikum les amis. Comment ça va? Moi c'est Abdul. Avec Abdul, toujours s'écoute, jamais les coups. Comment ça va les amis? Ça va bien. Regarde-moi celle-là là-bas, la gazelle. Tu sais ce que c'est les gazelles? Chez nous, le Maroc, les gazelles c'est les garçons et les gazelles c'est les filles. C'est comme ça, c'est super. Merci, merci Michael. Bien, je vous propose maintenant sans plus tarder. Alors, juste, je voulais juste quand même remercier la mairie, en la présence de monsieur le maire et toute son équipe, que l'a toujours été là, même bien avant son premier mandat, mais premier pour témoigner, l'a toujours été là pour la jeunesse de la petite fille. Il tient à souligner, moi, t'es footballeur, moi, t'es jeune, on a 34 ans aujourd'hui. Mais moi, j'avais 17-18 ans et le mec qui était là, c'est bien Serge Waro, mais content de dire aujourd'hui. Il est content de pouvoir remettre ça. Je voulais remercier aussi Pascal Aubry, en la personne de Pascal Aubry, parce que franchement, ce qu'il fait avec les jeunes et les moins jeunes, c'est super, c'est un super boulot, c'est très simple. C'est juste redonner de la confiance aux gens qui en ont pas. Et franchement, c'est magnifique. Et avec tout cet engouement qu'il y a de la petite île, franchement, on continue comme ça, on va aller loin. Merci. 28. Une 28. Et les modestes, parce que lui aussi, nous prépare un spectacle. Et ce sera également la salle de tambourin. C'est notre manière à nous, municipalité, de soutenir nos jeunes artistes. Il y a donc Benjamin qui sera en prestation chez nous, salle de tambourin. Et également le 28 février, voilà. Ouais. Mika sera sur la scène du tambourin. Permets-moi de remercier également les services culturels. Il fait un énorme travail à Petite-Île. Les services animation, services des sports, l'ensemble des services techniques qui ont contribué à la réussite de ces deux journées, hier et aujourd'hui. Merci pour votre collaboration, merci de votre soutien. Je vais également profiter de l'occasion, puisqu'on va maintenant remonter sur scène, pour vous présenter nos élus. Madame Nadège Myriel, qui est l'adjointe aux affaires culturelles et scolaires.